quelle importance, puisque c'est pas vrai. Mais cette glue montre des trucs à moi, en disant que je lui ai donné. Hercule a un complice. Celui-là, quand je le coincerai... Qu'est-ce que tu lui feras? Je mettrai des scorpions dans son slip. Bonsoir, les ablettes. Bonsoir, ma petite sardine argentée. C'est qui mange pas? C'est moi. Je vais chez Pénélope garder les enfants. Mais pourquoi pas rendre service à Irving pendant que tu y es? Tu fais pas ça gratuitement, j'espère. Bien sûr que si, entre voisins. Et puis on sait jamais, Victor. Peut-être qu'un jour on sera content de les trouver, nous aussi. Jamais un McBernick ne sera content de trouver un le requin, nom d'un pilon vermoulu. On a des principes dans cette famille. Tu donnes mauvais exemple aux gamins, Lucille. Scampi, pourquoi c'est toi qui nous gardes? C'est Scampi qui aurait dû venir. Scampi, tu la verras demain à l'école. Descends. Scampi. Hercule, descends de là. Scampi. Scampi. Tu vas te faire mal. Qu'est-ce que t'attends? Pousse. Vous deux, au lit, immédiatement. Puisque c'est ça, on va tout casser dans la maison. Ben voyons. Scampi. Hercule, descends avant de te casser la... Hercule. Hercule. Le sortir de là, vite. C'est pas un nez qu'il a, ce gamin, c'est un hameçon. Irving, Victor vient de sauver notre enfant. Où est Lucille? Écoute, je suis navrée. Je suis désolée. Ne remets plus jamais les pieds ici. Mais enfin, laisse-moi t'expliquer. Dehors. Je ne suis pas tapé le sauvetage pour des queues d'oursin, j'espère. Eh bien, non, certes, dans ce cas, demande-moi ce que tu veux. Ce que je veux? L'écumoire. Voilà ce que je veux. Enfin, McBernick, soyons sérieux. Irving? C'est d'accord, demain tu prends l'écumoire. J'ai pas fermé l'œil. Oh, je voudrais être encore hier et que rien de tout ceci ne soit arrivé. On parle de toi, maman. Le petit Hercule, le requin, victime de Lucille McBernick, la babysitter sanglante, est toujours inconscient. Lucille McBernick, n'hésitant pas à s'en prendre au plus faible... Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était un accident! Il faut leur dire au journal! Oh, excusez, Lucille. T'es dans le journal, c'est ça qui compte. J'aimerais ça être dans le journal, moi. Mais tu y es? Fais voir. Ni coucou. Dans que son courbe. Corde de bulot, sans mes lunettes, j'arrive pas à lire. T'as pas de lunettes, pas. N'écoutant que son courage, le capitaine Victor McBernick s'est interposé. Sans doute son intervention a-t-elle sauvé le malheureux enfant. Ah, oh, mais y a pas du faux dans ce qu'il raconte. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi ils écrivent pas que c'est moi qui t'ai appelé?
Mais parce que c'est des détails, ma petite sardine argentée. Et que les gens, ils aiment les gros titres, pas les détails. Surtout ceux qui savent pas lire. Babysitter sanglante. Mais c'est super comme titre, mon. C'est quand qu'il va se réveiller, Hercule, mon? Je sais pas, Bigorneau. Et mes œils de verre, alors? Comment je vais faire pour ma collègue? Quel rapport? Aucun rapport. Tu me prends pour une débile? Espèce d'ours intondu. C'est Hercule qui te fournit un œil de verre, hein? Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes en échange? T'as pas de preuve, t'as aucune preuve. Victor, faudrait passer arroser les plantes de mamie aussi. Il fait mal celui-là. Super, Coco. Une femme n'a jamais participé à nos réunions ragots et venins. On aurait dû se méfier. Et ses enfants, croyez-vous qu'ils soient en sécurité avec elle? Ses propres enfants? Non. Vous ne pensez tout de même pas que... Tu dis que ta maman, elle te suspend par les pieds? Ouais, pour me faire des guillis. Jusqu'à ce que je m'étrangle. Elle te suspend par les pieds jusqu'à ce que tu t'étrangles. Je peux y aller maintenant, mademoiselle Lanchois? Mon bateau! Mon bateau! Vous vous rendez compte? Un navire qui n'avait pas 30 000 milles! Abandon d'épave sur la voie publique! J'ai boutonné mardi avec mercredi. Ah non, pourtant. C'est le capitaine Victor. C'est l'ami des enfants. Et c'est aussi l'ami des vieilles dames, hein. Raccompagnez-moi, mon garçon. Avec vous, je me sens en sécurité. Non, moi pareil. Ah ben, si vous le dites. Vous allez loin comme ça. Nous d'un pilon vermoulu. À propos de vieille mamie. Désolé, mes petites dames, j'ai failli oublier. Faut que j'aille arroser les plantes vertes de ma belle-mère. Quel gendre idéal! Charmant, n'est-ce pas? Mais vous avez entendu? Madame, pars en voyage. Oh, je m'en vais te coller du désherbant sur les plantes vertes, moi. Elle va être vite réglée, la corvée d'arrosage. J'ai dit que j'irai. J'ai pas dit quand. J'en ai ras les écouteilles de cirque. Avec votre père, il faut qu'on règle le problème. Dîner sans nous, c'est prêt. De méduse. Écoute bien, crâne d'oursin. Ouais, ben vivement qu'il se réveille, ton petit chéri Hercule. T'es quand même plus gentil quand il est là pour te faire des bisous. Mmh. Hercule, mon amour, Scampi, ma chérie. Mmh. N'importe quoi. C'est du nul de tien, maman. Mais rouge les reins. Mollusque. Ça vit. Les boules. Les tendus. Gertrude, ma fille, fais ton devoir. La maison qui régale à Victor pour...
pour avoir sauvé le petit Hercule. Et pip pip. Oh, merci les copains. À moi. Victor. Victor, il faut qu'on parle. Toi alors, on peut dire que t'es doué pour casser l'ambiance. Et toi, ta femme se fait humilier publiquement et tu dis rien? Ah, c'est quand même pas notre faute si t'as laissé tomber Hercule. Mais je l'ai pas laissé tomber, c'était un accident. Ils font chambre à part maintenant. Scampi, passons à la confiture, s'il te plaît. Scampi, je reprends une tartine de macro. Bonjour l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputé? Si vous divorcez, Sakama et moi, on reste avec celui qui garde la maison. Une convocation au tribunal pour toi, papa. Comme du bulot. Je dirais que je l'ai pas reçu. Une convocation au tribunal pour toi, maman. Victor McBernick. J'ai rien fait. Victor McBernick, vous êtes élu président de la CSP. Président de la quoi? De la Caisse de solidarité pirate. La présidente sortante, Madame Pénélope Le Requin, vous renseignera sur vos nouvelles fonctions. Bravo. Et soyez à la hauteur. Lucille McBernick... Le rapport que j'ai sous les yeux vous accable. Vous êtes inapte à éduquer vos enfants. Mais... Silence! Aussi, pour leur sécurité, la cour a décidé de placer Scampi et Bigorneau en famille d'accueil. Oh non! Oh non! Les bonnes pilules du docteur Sprott et il n'y paraîtra plus. N'est-ce pas, Madame Lucille? Répétez après moi. Tout va bien, docteur Sprott? Tout va bien, docteur Sprott? Oui, capitaine. Pas de quoi s'inquiéter. J'ai fait 1000 turtles. Encore 1000 turtles? Ah oui, vous payez que la visite. Pour les soirs, on verra quand il se réveillera. Mais quand va-t-il se réveiller? Quand? J'y vais! Papa, tu viens nous chercher? Désolé, ça va pas être possible tout de suite. Aïe! Sale petite murène! Regarde ce que j'ai trouvé sous le lit d'Hercule! Qu'est-ce que tu dis de ça? Aïe! Lâche-moi! Et je nous sors d'ici, je te le jure! Président, vous recueillez les fonds et puis vous faites un partage équitable entre tous les pauvres. Un partage équitable? C'est comme si c'était fait. Nous nous revoyons donc à la soirée des moignons. Qu'est-ce que c'est que cette soirée des moignons? Mais c'est la soirée de bienfaisance de l'année, Président! Vous ouvrez le bal. T'as encore perdu, t'as encore un gage. Au prochain gage, tu manges 2 crottes à Froufou. Lucille, tu dors? Ce n'est pas un enfant, c'est un porcelet. Il faut lui construire un enclos au fond du jardin. Irvine. Bigorneau a fait pipi au lit. Encore? Ah, il me coupe l'appétit. Et puis... Depuis combien de temps ne s'est-il pas lavé? 5 jours! Cette fois, c'en est trop! Sois indulgent. Songe à la mère qui a eu cet enfant.
Ruitons la chaloupe. Attendez. Le poulpe puant. Attendez. C'est pas fatigant la charité et ça rapporte plus que piraté. Jojo galderait. Lucille ! Ah, c'est vous, mamie. Déjà de retour. Les vacances étaient bonnes. Lucille est là. C'est à vous de répondre, mon gendre. C'est avec vous qu'elle est mariée, pour le pire. Mamie, on va pas s'énerver, hein ? Je m'y connais, moi, en psychologie féminine. Quand une femme s'en va, c'est pour retourner chez sa mère. Ma fille n'est pas du genre à retourner chez sa mère. Plutôt du genre à vous renvoyer, vous, chez la vôtre. Tout ce que j'ai trouvé chez moi en arrivant, c'est mes plantes crevées. Et si Lucille ne revient pas, c'est son mari qu'on retrouvera. En morceaux, éparpillés aux quatre coins de l'île. Compris ? C'est ça ! On lui dira ! C'est elle qui est partie ! Mais de son plein gré encore ! Je peux quand même pas la supplier de revenir, non ? J'allais oublier. L'or des pauvres. Pour les pauvres. Pour moi. Pour les pauvres. Pour moi. Pour les pauvres. Oui, mais à quoi ça va te servir tout cet or, Victor ? T'es tout seul maintenant. T'as raison. Après tout, l'or et les honneurs, c'est ce que t'as toujours voulu. Mais est-ce que t'es heureux ? Scampi et Bigorneau te manquent pas. Et Lucille Victor, tu ne l'aimes plus ? Voilà, t'as vu la mère ? La fille, ça sera pareil. Tu te vois vieillir avec une mégère ? Lucille-là n'existe pas, Victor. La vraie Lucille t'aime telle que tu es, et depuis longtemps, et pour longtemps encore, si tu le veux. Tu les aurais vus. C'était comme s'ils m'avaient oublié. Comme s'ils avaient plus besoin de moi. Saisis ta chance, Lucille. Bazarde la grosse baleine qui te sert de mari. Tu as vécu avec lui. Le plus dur est derrière toi. Je sais pas si c'est ça que je veux. Mais alors, que veux-tu ? Je veux récupérer les enfants. Bien. Je veux que tout le monde sache que je suis pas un monstre. Que je n'ai pas fait volontairement du mal à Hercule. Cette fois, ils m'écouteront. Très bien. Et bazarder la grosse baleine. Qui me sert de mari ? Ça, c'est pas tes oignons, maman. Maman ! Bigorneau ! Vous êtes tout seul ? Ils sont à la soirée des moignons. Et moi, je garde les autres. Président, un discours. Président, un discours. Un discours. Un discours. Tu crois que je vais demander la permission ? Suivez-moi. Vous m'avez élu ? Eh ben, vous auriez pas dû. J'aime pas donner aux pauvres, moi. J'aime pas faire traverser les vieilles. Et j'aime pas que cette raclure de fond de cale de le requin se croie mon copain. Oh, oh, oh. Oh, qu'il est drôle ! Mais qu'il est drôle ! Elle est où, Scampi ? Oh, pardon.
pardon, madame. Scampi, elle est partie. Mais puisque je vous dis que le rejeton, le requin, il est tombé tout seul, et que si moi je puis le ramasser, c'est uniquement parce que Lucille me l'a demandé. Il veut protéger sa femme. Mais vous allez m'écouter, bande de macarons au bout du bocal. Il n'y a pas de meilleure mère sur cette île que ma Lucille, ni une meilleure épouse. Alors le premier qui pense à mon travers sur elle, je lui passe mon sabre à travers le corps. Lucille! Victor! Mais faut y aller, sinon ils vont se faire des bisous devant tout le monde. Allez, Lanchois, je crois que tu as un petit quelque chose à dire à ta mère. Mon cucule! Lucille m'avait dit que je tomberais mort, mais j'ai pas voulu l'écouter. Lucille, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Musique! Oh, ma petite sardine argentée. Mais c'est quoi cette liste, Lucille? Des bricoles que j'ai pensé que tu pourrais faire pour moi. Oh, réparer les soreuses à moules, je demanderai à ma chicoulée. Et m'offrir tous les jours des fleurs. Ben, ça, c'est pour les gamins. Non, non. Mais enfin, Lucille, qui va faire tout ça? Toi? Ben, tu n'es pas obligée de prendre cette liste dans l'ordre. Tu peux commencer par la fin, si tu veux. Ah bon, alors, faire l'espadon rugissant à la petite solfrédite. Lucie, la première fois qu'on l'a fait, c'était pendant notre voyage de noces. Et 9 mois plus tard, on a les scampis. Oh, mon hippocampe des îles. Oh, mon gros cachalot.